Bonjour et bienvenue, c'est Béné. On se retrouve pour le 10e épisode de Assassin's Creed Brotherhood. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, dans un premier temps, on va aller acheter le docteur qui est juste à côté là, mais il est où? À l'étage peut-être? Ah peut-être. Ah oui, il est là. Ok. J'avais dit que je ne ferais pas les missions courtisanes, toutes ces missions-là, mais j'ai peut-être changé d'avis, je vais voir, peut-être faire... Peut-être faire les missions courtisanes aussi, on va voir. On va voir, on va réfléchir. Ce qu'on va faire... Alors oui, j'ai pas dit ce qu'on allait faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Mato Borgia qui est ici. On va essayer de voir si on peut débloquer certaines choses. Et après, on verra. On verra. On verra. Donc, dans le dernier épisode, on a rencontré Niccolo Copernico. Donc, quelqu'un, apparemment, dans le jeu qui travaillait pour le Vatican. Qui était templier. Et on va dire qu'on peut dire que c'est un templier repenti. Un templier repenti. Voilà. Dans le sens où il a compris que. Ok. Il a compris que les templiers lui voulaient pas que du bien. Allez, saute. Faire attention. Il faudrait que j'aille le tuer, lui, là-bas aussi. Oh, c'est par là-bas. Ce qui va m'embêter, je pense. On va y aller. Ok. Eh bien, allez, viens. Ok. C'est très bien, ça. Ok, donc il reste deux. Oh. Il est fou. Oh. Comment ça, je pars ici? Ah, il m'a... Oh, il va jamais mourir. Ok. Très bien. Enfin, il m'a esquivé. Allez, c'est bon, on s'en fout. On s'en fout. Allez, c'est bon. Voilà. Donc il a réussi à m'esquiver l'enfoiré, mais bon. On a réussi quand même. Passe par où là? On va le buter parce qu'il va nous embêter. Voilà. Allez. Ah, j'ai de faire le tour. Hein. Ah merde. Oh, c'est chiant. Putain. Oh, on passe là. Allez. Ok. C'était chaud, hein. Très bien. Allez, hop.
notre tour Borgia. Très bien. Il y a un petit... Ah, il y a un marchand d'art aussi. Alors, on va acheter... le tailleur. Si. Ah, il y a une banque aussi. Ok. On va acheter le marchand d'art qui est là-bas. Arrête. On va acheter la banque qui est juste là. Au moins, on va prendre l'argent qu'il y a dedans. Pas mal de choses à acheter là. Ok. Très bien. On va prendre l'argent dans le coffre. Très bien. On va essayer d'acheter forgeron. Très bien. On va acheter l'écurie. Très bien. Ensuite. Allez, c'est bon. On va acheter le marchand d'or qui est là-bas. Pas très loin. Ok. Donc ça fait pas mal de bâtiments qu'on a acheté. Ça c'est cool. 4 sur 10. On va acheter le bâtiment de faction qui est ici. Ah. Ok. Bâtiment de faction, on l'achète par où? Là. Forcément, je suis obligé de faire des courtisanes. J'ai que ça. On va aller au marchand d'art. On va vendre ce qu'on a à vendre. Ok. Ok. Merci. Et n'hésitez pas à revenir. Très bien. Maintenant, on va continuer. Donc, on va aller. On va aller. Voir génétique qui est là-bas. Et c'est parti. À cette côté. Oh là, attention. Donc c'est parti, on continue. Ouais, la mémoire génétique. Je pense que là-bas on va pouvoir prendre un voyage rapide. Au moins on reviendra assez vite au centre-ville de Rome. On a pas mal de choses à faire. On a toutes les missions de Copernic à faire. Je sais pas si je ferai tout, mais j'en ferai pas mal. Des missions Copernic, des missions courtisanes. Donc il y a pas mal de choses. Ah, baraquement d'Alviano. Ah, il y a un segment. Ok. Ok. D'abord, on va ici. Ezio Auditore. Entre, entre donc. Entrousse tes gorges. Bartolomeo. Attends, je vais te présenter ma femme.
Pantasilea! Pantasilea! Où est-elle? As-tu regardé sous la table? Ah, la voilà. Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi, vraiment. Bon, parlons de cette guerre. Oui, cette bataille contre les Français. Bene, mes hommes se défendent plutôt bien. Machiavelli m'a pourtant fait part de ses inquiétudes. Tu connais Machiavelli? Général, nous avons besoin de votre aide, ça ne peut pas attendre. Scusatemi. Passe-moi Bianca. Ezio, je vais aller droit au but. Ce conflit dégénère. Nos défenses s'étirent sur deux fronts. Les Borgia d'un côté, les Français de l'autre. Mais rien n'est perdu. La position des Borgia est faible. Si vous la faites tomber, nous pourrons concentrer nos forces sur les Français. Je sais comment vous aider. Merci pour ces informations, Madonna Dalviano. Aider mon mari est le plus important de mes devoirs. Magnifique. Quelle femme. Aider son mari est le plus important de ses devoirs. Magnifique. Donc éliminer le capitaine Borgia qui envoie ses troupes attaquer les baraquements pour permettre aux mercenaires de se concentrer sur l'assaut des Français. Allez. Vous avez entendu, leur chef ne doit pas atteindre cette tour. Ah, ah putain, quel con. Le capitaine de Tour Borgia pour libérer l'influence des Borgia. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce... Tu ne peux pas fuir. Ne s'approche pas de moi. Oh, l'enfoiré. Regarde un peu où tu vas. Ok. Très bien. Magnifique. Donc, ok, donc je peux. Je peux prendre la tour là maintenant. J'ai bien compris. C'est impossible! J'ai perdu sa trace! Le voilà, là-bas! Ah, ils vont m'emmerder. Ok. Oh! Allez, grimpe. Calme-toi. Vite. Je vais te crever les yeux. Ok. Il va nous semer. Attends un petit peu, je vois qu'ils viennent pas pour l'instant. Je le vois. Ah bon? Ne sacrifie pas ta vie. Ah putain, oui, ils sont là. Ah, ils sont plus chiants. Et... Si je vais en enfer, ce sera avec toi. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 aïe. Bon. On va essayer d'aller discrètement maintenant. Allez. Ok. J'ai juste tourné la tête et... Il s'est envolé. On va passer par là. Allez, oh, plus haut là. Ok. Ah,
C'est bien. Ok. Ah, prends le coffre en même temps. Arrête, faire n'importe quoi. Allez. Ok. Et pas très loin. N'est pas très très loin, c'est bien. On va pouvoir aller revoir notre ami. J'ai oublié son nom d'ailleurs, ce monsieur qui était sur aussi Assassin's Creed 2 avec son épée. Son épée qui s'appelle Bianca. Ah, j'ai oublié son nom. Oh. Bartolomeo, voilà. Et Pantasilea. Bartolomeo et Pantasilea, ok. Donc maintenant, on va pouvoir les revoir. Et c'est par là, forcément. Allez. Et on va pouvoir continuer. Donc ça fait notre tour Borgia de plus. C'est très très bien. Ah, le Colisée qui est juste là. Magnifique. Allez, allons voir Bartolomeo. Passer par là. Allez, un voyage rapide juste là. Maintenant qu'il est débloqué, on va le prendre. Ok. Très bien. Très très bien. Allez, c'est bon. 5 sur 18. Encore pas mal, hein. Donc, allez, on va aller voir Bartolomeo, Pantasilea. Il y a un autre voyage rapide juste là-bas. Il est bloqué encore. Ok. Je pense qu'il va se débloquer finissant la mission. Normalement. Ezio, grâce à nous, ces salmoviettes détalent comme des lapins. Oui, à nous. Les chiens du pape ont pris la fuite. Je vais donc pouvoir rameuter de nouvelles recrues. Mais il faut d'abord renforcer nos baraquements. Qui va s'en occuper? Je ne suis pas doué pour ces choses. C'est toi l'érudit, à toi d'approuver les plans. Va bene, mais en retour, je veux que tu surveilles Cesare et Rodrigo. Tes hommes peuvent-ils garder un œil sur eux? Bien sûr. Ok, donc parachutecte pour rénover les baraquements de mercenaires. Donc voilà, maintenant on va pouvoir avoir des mercenaires. Très bien. Moi, je suis totalement satisfait. Adios. Magnifique. Alors, que dis-tu du résultat? Très impressionnant. Nous sommes plus nombreux chaque jour. La compétition fait rage entre mes hommes, et c'est tant mieux. Regarde ce panneau. Il indique le classement de nos meilleurs combattants. Si tu fais tes preuves, tu arriveras en haut de la liste. Ne devrais-je pas déjà être en tête? Le combat de Jan va bientôt commencer. Si tu veux démontrer tes talents, tu peux participer. Maintenant, pardonne-moi. J'ai tout misé sur ce combat. Ok,
Où est Bartholoméo ? Il assiste au combat. Sa méthode est si simple et brutale. Pourtant, la stratégie est tout aussi importante. Prenez ces pigeons voyageurs, par exemple. Machiavelli a attaché à chacun d'eux le nom d'un célèbre templier vivant à Rome. En les éliminant, vous serviriez votre cause plus que n'importe quelle bataille. Merci, madone. Pourriez-vous demander à Bartholoméo de me rejoindre sur l'île Tibérine ? Je veux savoir si les Borgia ont été localisés. Comptez sur moi. Ok, donc on va avoir des missions mercenaires de débloquer. Donc là, il y a un bâtiment de faction juste à côté. On va prendre. On va mettre courtisane aussi, vu qu'il y a des mercenaires juste à côté. C'est très bien. Donc les combats sont maintenant disponibles contre les... dans les baraquements, pardon. Ok. On va aller en levage rapide. Allez. Ah, il est débloqué déjà. Ok. Ok, il est déjà débloqué. Très bien. Est-ce qu'on va faire... Ah, là-bas, on peut pas aller. Là-bas, on a fait... ouais, mais il y a pas mal de choses. Contrat d'assassinat. Donc ça, c'est tous les contrats d'assassinat. C'est quête secondaire aussi. Oui, les Bartholoméo. Mais c'est comme une mission courtisane. On verra peut-être qu'on en fera, mais pas tout le temps. Ce que je peux faire, c'est prendre un voyage rapide et aller... aussi qu'il y a un voyage rapide de débloquer. Ah, les voyages rapides sont pas trop débloqués, c'est un peu con ça. Faut vraiment je les débloque. Hein. Alors, on va... Tibérine, Capitole, Rose Fleurie. Alors, allez au Capitole. On va acheter quelques commerces. Et on va s'arrêter. Eh bien, en tout cas, mission réussie. Ah oui, il y avait un segment. Ah! Prochain épisode, on se retrouvera là-bas. Il y avait un segment, c'est vrai. J'ai complètement oublié ça. Donc, il y a une banque juste là. On va aller à la banque. On va aller à la banque à côté. Débloquer ça. Allez. Attention, monsieur. Donc c'est juste là. L'autre étage. Ok. Ok. Ok, c'est là. Très bien. Banco. Donc 6 sur 10. Ah, bien ça. Donc on a bientôt acheté toutes les banques. Hein. Au final, il n'en reste que 4. Hein. Le voyage rapide, il est où? Il est loin, putain, hein, au fond là-bas. Il y a un forgeron. Bon, allez, on va acheter le forgeron qu'il y a là. Et après, on s'arrêtera là. Dio vi benedica.
Et on se retrouvera au prochain épisode, je pense, au niveau du segment. Ok. 1565. Ok. Ah, il y a un docteur à côté, mais je peux pas le prendre malheureusement. Magnifique. J'ai forcément ce qu'il vous faut. Sûrement. Bon, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Assassin's Creed Brotherhood. Allez, peace, prenez soin de vous.